Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Ça fait 2 fois que je dis ça, mais voilà, je suis partie pour. Enfin, j'étais partie pour faire un haul finalement. Donc je viens de vous filmer un haul Temu et Action et AliExpress. Bref. Je pense que vous aurez la vidéo peut-être avant le vlog. Je sais pas trop comment ça va se goupiller. Donc j'espère que vous allez bien. Du coup, c'est le Dawa, le Bronx autour de moi. J'en ai mis partout. Alors que c'était déjà le bordel. Voilà, c'est sympa. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, on est le 13 novembre. C'est l'anniversaire de Liam jeudi. Donc, c'est pour ça que je suis contente d'avoir reçu ma commande Temu parce que j'avais pas de ballon, tout ça. Et il voulait sur le thème Minecraft cette année. Donc, je lui ai pris quelques trucs. Et vu qu'on le fait chez Papy Mamie, qu'on décore un petit peu quand même. Donc, on fait chez Mamie. Dimanche, samedi, il le fait au laser game avec ses copains d'école. Il voulait inviter les copains du foot, mais bon, depuis, il n'a pas eu foot depuis un petit moment, là, avec les intempéries, les vacances, tout ça. Donc finalement, il n'y aura pas les copains du foot. Ça sera plus l'année prochaine, je pense, parce que bon, là, il commence seulement, là, c'est la première année, donc ils ne se connaissent pas plus que ça. Donc il va faire son anniversaire 2 fois cette semaine. Bon, pour jeudi, vu que c'est son anniversaire jeudi, j'ai quand même pris un petit gâteau et histoire qu'il le fasse quand même un peu à la maison. Je lui offrirai une bricole quand même. Et il va le refaire la semaine prochaine à l'école. Donc ça fait beaucoup. C'est intense. Donc. Pardon. C'est. Voilà. Petite nuit. Mais ça va. J'en ai mis partout, partout, partout. Je suis en train de rattraper mon retard dans le Pokéfil. Donc je suis en train de faire Sablette. Je crois que c'est ça. Et je sais plus qui. Mais bon, ce mois-ci, c'est cette page-là. Donc ouais, il faut que je rattrape mon retard. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Et j'aimerais bien, ouais, faire les deux au moins aujourd'hui. Et faire un autre truc derrière. Je peux. Vraiment que je me fasse un café. J'ai été faire les courses ce matin. Et comme d'hab. J'ai acheté quelques calendriers de l'Avent. Bah, j'ai acheté un M&M's pour Doudou. J'ai pris 2 Haribo pour les enfants. Jade, elle aura son truc princesse. Et faut voir. Faut qu'on voie avec Liam ce qu'il veut d'autre. Moi, normalement, j'aurai un calendrier de l'Avent aquarelle. Je suis trop contente. J'ai trouvé quelqu'un sur. Enfin, ma soeur m'a parlé de quelqu'un, voilà, sur Instagram. Donc voilà, je suis contente, je vais avoir des belles aquarelles pour Noël. Made in France. Voilà. Faites à la main, tout ça. Donc je suis contente. Et voilà. C'est le bordel. Oui. Oui, pensez. Je suis fatiguée. Ah, je me suis repris des cartouches aussi ce matin. Merci Doudou. Il ne le sait pas, mais merci Doudou. Il faudrait que j'imprime le Witches en format A5. Il faudrait que je fasse. Je voulais imprimer des timbres ce matin, mais le site La Poste indisponible. Voilà, j'ai un courrier à envoyer. Va falloir que j'aille à La Poste avant d'aller à l'école ce soir. Fais suer. Parce que non, j'ai plus de timbres. Maintenant, j'achète des enveloppes pré-timbrées. Donc, pop-pop. Mais bon, là, c'est. Lettre où j'ai pas le choix. C'est leur lettre à eux. J'ai pas le choix que d'envoyer là-dedans. Donc, ça me. Ça me. Voilà. Donc, voilà. Faudrait que je fasse mes ventes Vinted. J'ai mes photos de fête, mais j'ai toujours pas mis en vente. J'ai toujours. Je trouve c'est long, c'est chiant. Oh. Je sais même pas quelle heure il est. Ah bah il est midi. Bon bah je vais me mettre devant un petit film et je vais manger. Je sais pas si je vais me faire une sieste après-midi ou pas. Hier j'ai fait une sieste avec Jade. Elle voulait pas dormir dans son lit. Elle m'a dit non, on peut faire la sieste lit maman. Bon bah écoute. Par contre tu dors. Hein. Mais ouais ça va, on a dormi.
On s'est couché tard. Par contre, d'habitude, à l'école, elle est couchée à 13h et des bananes. Elle est couchée là à 2h et des, elle n'était pas encore au lit. Donc on s'est levé, Doudou nous a réveillés à 5h. Oh là là, bien dormi. J'en ai besoin en ce moment. J'ai des cernes de ouf. Mon corps a besoin de dormir, je sais pas. Mon corps en a besoin. Mais est-ce que je vais l'écouter aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça serait bien que je fasse une lessive parce que hier j'ai fait mon aîné. Comment vous dire que ça a été un peu problématique? Alors attention, histoire drôle pour vous, mais c'était pas drôle pour moi. Alors, hier on était dimanche, dimanche matin, je me suis dit, bon, bah, je vais préparer ma patouille et tout. Je vais préparer mon aîné, je vais le poser. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Je le laisse poser. Du coup, 3 heures, on mange tout ça. Puis après, bah, je me dis, bah, je vais aller prendre ma douche. Je vais aller rincer tout ça. J'arrive dans ma douche. Et là, pas d'eau. Voilà. Et là, tristesse et désespérance. Il fait froid, je suis tout nu. Et j'ai un amas. Nauséabond sur la tête parce que là, ça sent le aîné. Voilà, et ça dégouline parce que il me disait de mettre 250 grammes parce que j'ai les cheveux mi-longs, mais c'est trop. J'ai pas d'épaisseur. Habituellement, c'était des. Avant, je prenais directement. Mon autre couleur, mon autre aîné d'Aroma, c'était Aromazone aussi. Mais c'était des paquets de 500. Et c'était déjà l'anarchie. Mais là, je trouvais que c'était encore plus. Que je trouvais que j'en avais encore plus dans mon bol en inox. C'est quoi ce délire? Et vas-y que je remets, vas-y. J'en ai jeté une bonne partie, je suis dégoûtée. Mais j'en ai beaucoup trop. Voilà. Je ne sais pas doser. La prochaine fois, je mets que 150 grammes. Parce que c'est pas possible. Et du coup, bah pas d'eau, en panique. Je suis là, Doudou, c'est toi qui me fais une blague? Comment ça se fait? Pas d'eau, j'en avais ce matin. Voilà. Il me fait, attends, je vais aller voir au niveau du tuyau, du machin, mais je lui fais, attends, demande aux voisins s'ils en ont. Hein? Parce que bah l'eau, elle va pas se couper. On est en résidence. Là, tout le bâtiment, pas d'eau. Je sais pas si c'était toute la résidence ou si c'était tout le village. Bref, pas d'eau jusqu'à je ne sais quelle heure dans l'après-midi. Donc, bah, on a été chercher des bouteilles d'eau minérale. Hein. J'ai fait marcher ma bouilloire. Je me suis bouillantée une fois. Donc, je me suis dit, bah non, on va mettre l'eau à même. Vas-y, tu vas m'aider, Doudou. Mais l'eau, elle était dans ma voiture. Et bah, elle était fort froide. Je me suis congelé le cerveau. Ça faisait mal au cuir chevelu, mais alors j'ai eu mal entre la brûlure et après le glaçage. Ça a été voilà, une super après-midi. J'ai kiffé mon moment. Je peux vous dire que j'étais contente de prendre ma douche une fois que j'avais de nouveau de l'eau, parce que c'est revenu. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne saura jamais, je pense. Mais je me suis dit, bon, j'y vais. En espérant que ça ne se recoupe pas du moment que je suis en train de faire mon shampoing, quoi. Parce que poissarde comme je suis là en ce moment, je me dis, tout est possible. Mais alors, le dimanche, j'aurais mieux fait bah, de rester couchée. Mais non. Voilà, j'ai voulu faire mon aîné ce jour-là parce que je voulais être tranquille pour cette semaine, pour l'anniversaire, machin. Puis ça faisait un moment que je devais le faire. J'avais masse cheveux blancs et tout. Pour un coup, en plus, je voulais changer, je me suis fait du noir bleuté, voilà. Et ben, voilà. Mais bon, c'est les couleurs que je me faisais tout le temps avant. Hein. J'étais tout le temps noir bleuté ou noir violine ou noir cerise. Voilà. Ça, c'était mes couleurs d'avant. J'étais tout le temps comme ça. J'avais rarement ma couleur naturelle. Hein. Mais, ah! Vous avez vu, vous voyez une queue? Bonjour, madame. Bonjour. Hein. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Madame a soif, madame a faim? On ne sait pas. Welcome. Bienvenue. Voilà.
Donc je vais aller manger. Et je vais essayer de me mettre un petit film et tout. Et puis après, il faudrait que j'en... Demain, je pense que je vais commencer à emballer les cadeaux. J'ai pas envie. D'ailleurs, je vous ai pas tout montré. Il y a un autre sac encore. Ça, c'est Auchan. Les cadeaux que je lui ai pris. Ouais, hein, c'est bon. Ouais, j'ai claqué mon slip. Franchement. Mais bon. Hein. Il aura que 7 ans une fois hein, dans sa vie. Hein, hein que c'est vrai. Ouais. Hein. Puis c'est bientôt Noël aussi, donc je fais un peu les deux. Bella. Je pense pas que vous l'entendez ronronner. J'espère que j'ai un truc sur mon siège. Ouais. Parce qu'elle a tendance à faire ses griffes, madame. Ouais. C'est pas agréable. Donc ouais, je vais aller me faire à manger. Et on se retrouve bah, demain pour la suite du vlog. Je pense que je reprendrai demain. Ou peut-être cet après-midi, si je colo, je peux vous prendre peut-être avec moi. Voilà. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Et recoucou. Je sais pas pourquoi je mets le casque. Bon, il me chauffe les oreilles, écoutez. Nous sommes mardi. Aïe. Aïe, 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 aïe. Voilà. Nous sommes mardi. Je suis encore mouillée du coup. 14 novembre 2023. Je sais pas ce que j'ai fait de mes lunettes. Alors, ce matin, ça a été. Suis en train de me demander si j'ai fait ma vaisselle. Oui, j'ai fait ma vaisselle en regardant L'amour du Dupré. Voilà. Parce que hier soir, je pensais être mardi. Voilà, alors qu'on était lundi, mais voilà, on avait beau me le dire. Je me suis dit, bon, bah, je vais regarder le replay de L'amour est dans le pré. C'est le bilan. Mais en fait, c'était l'émission, émission, c'était pas le replay. Mais j'ai eu du mal, hein, je sais pas. Bref, j'ai regardé le replay de L'amour vu du pré, du coup. En faisant ma vaisselle. Et bah, c'était en paquetage de cadeaux. D'anniversaire après voilà j'ai commencé à préparer les petites pochettes pour les invités par contre j'avais demandé aux parents de m'avertir de me donner la réponse avant le 14 et j'ai eu trois réponses deux bah, il y a des jumeaux donc je les compte pour deux mais oui j'ai eu trois réponses quatre dont une négative, mais enfin du coup il faut que je trouve un remplaçant, mais c'est pour samedi, c'est chaud. Avec les vacances scolaires, ça a été un petit peu problématique. Voilà. Non, j'en ai eu un autre aussi qui m'a répondu positivement. Non. Ça fait 1, 2, 3, 4. 4 qui viennent. 2 sur. Sur 8. Et celui qui peut pas sera quand même là, mais il est invité à un autre anniversaire au même endroit. Donc ils sont dans l'équipe adverse du coup. Bon. Il faut que je trouve des remplaçants, il faut que je voie avec les parents des autres si il viendra pas, quoi, parce que c'est compliqué. Pour remplacer après. Parce que c'est un peu tardif. Voilà. Je sais pas. Bon bref. Voilà. La vie de maman. Et du coup, depuis hier soir, je cogite, j'ai saoulé mon homme hier soir. Je suis pas encore couchée, que je fais que de lui poser des questions. Il me fait non mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je lui fais c'est le soir, c'est le moment de dormir. Et quand t'es maman, bah t'en as partout. Enfin, je sais pas si vous, mais moi, voilà, j'en ai plein la tête et j'ai tout qui me revient à ce moment-là. Et bah voilà quoi. Voilà. Sinon, hier, comme d'hab, hein, c'est mon café là. On va voir s'il fait effet. Hier soir, j'ai terminé ça. Du coup, je ne suis pas à jour hein, chez les Pokémon. Hein, je ne suis pas à jour. Mais voilà, ça va viendre. Ça va viendre. Je ne sais pas ce que je vais faire en live cet après-midi. Je vous avouerai que je ne sais pas. On va remonter la lumière. Merci beaucoup.
Maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire cet après-midi. Il me reste quoi sur ma pack? Il me reste le Witches que j'ai imprimé en A5 hier, du coup. Oh. Hop là. C'est bon, j'ai fini. Il y a plus rien à déclarer. C'est souvent que je m'aperçois que j'ai oublié un truc. Donc, il me reste le Vintage ou le Bodoni Grand Classique, le Witches, marque-page à faire. Ouais, il me reste que 4 trucs. Et ben voilà, du coup, vous savez où j'en suis. Au niveau de ma pack, mon automne pack, voilà, qui fonctionne bien. Ah, il faudrait que je fasse le tasse et c'est mignon si j'ai grincheux à faire. Donc je sais pas, on fera sûrement un petit sondage. Voilà, pour choisir. Mais ouais, peut-être un Disney ou Uchi. Ah, Bella, tu es là. T'es limite sur le lit quand même là. Non? T'as le cul un petit peu dans le vide? Non? Oh, je t'ennuie. Je t'ai touché. Excuse-moi. Oh là là, ce regard. J'aime pas quand tu fais ce regard, Bella. Je suis ta maman. Allô? Je suis ta maman. On ne me regarde pas comme ça. Oh là là. Oui? Dis donc. Le regard d'amour, il est où là? Il est parti loin, hein, depuis longtemps. Hein. Ah ouais. T'as le regard blasé là. Hier soir, j'ai imprimé le Witches. Par contre, il n'est plus du tout dans l'ordre. Hein. Voilà, clairement. J'ai fait du recto verso. Voilà. Donc en A5. Donc, je ne sais pas si je ferai pas une petite souricière. Oh. Il n'est pas encore midi et voilà, je suis déjà au bout de ma vie. Mais ouais, j'ai fait empaquetage. Oh. Il se rend pas compte, Doudou. Les hommes se déchargent beaucoup sur nous. Voilà, faut que ce soit moi qui gère l'anniversaire et tout. Là, je pense que je retourne en course pour acheter les gâteaux. Les boissons, faut pas que j'oublie. Charge mentale. Attention, Bella. J'essaie de manger un peu, mais. Et c'est ce matin, à l'école, en emmenant Jade, une maman a donné un dossier à l'école pour la visite. Une visite ophtalmique ou je ne sais quoi. Et. La question se pose, qu'est-ce que j'ai fait du dossier? Est-ce que je l'ai rempli? Est-ce que je l'ai rendu? Je ne m'en souviens plus. Mais je ne me souviens pas avoir rempli ça. Je me souviens l'avoir vu, mais où il est, je ne sais pas. Voilà. C'est ma vie du moment. Je ne sais pas trop ce que je fais. Je suis là sans être là. C'est complicados. Voilà, et complicados pour moi. Et je me dis, les mamans qui travaillent temps plein, même temps partiel, parce que normalement je suis en temps partiel et j'étais quasiment pas à la maison. Hein. Enfin, temps partiel, mais ils font des horaires de. Voilà. Donc. Mais comment c'est possible, quoi, de t'arriver à tout gérer, à tout. Tu peux pas, il y a un moment, tu pètes un boulon, quoi. Surtout quand tes enfants sont difficiles. Quand je pense aux personnes qui ont des enfants handicapés en prime, enfin, c'est fou, quoi. Oui, je suis au bout de ma vie. Mon cerveau veut dormir tout le temps. Mais moi, non. À un moment, non. Donc, je range mes crayons. J'ai pas passé commande pour mes prismas, mais va falloir. Les promos du 11-11, franchement, voilà. Je suis tellement déçue. Voilà. Les prismas ont baissé d'un centime. Et ils étaient moins chers avant le 11. C'est quoi ce que j'entends? Ça tape.
je ne saurais pas. Mais bon, ça endommage. Les derniers logements qui étaient vides commencent à être habités. Hop là. Niveau point météo, alors aujourd'hui nous sommes dans la grisaille. Voilà. Il ne pleut pas pour le moment, mais ça ne serait tardé, je pense. Et nos amis les zinzins vont bien. Voilà. Finesse. Ah, c'est. Ah non, c'est la maman qui vient. Ah là 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 là. Ah! En moins encore. J'ai essayé de décaler pour qu'Iliane puisse venir, mais ce n'est pas possible. On continue les excuses. Ah, blablabla, ça en fait deux en moins. Je fais comment pour remplacer deux enfants? Je fais comment? L'équipe va être très réduite. Et j'ai payé pour 8 enfants. Alors, si jamais vous avez des enfants qui sont dispo samedi matin, voilà, appelez-moi. Je déconne, hein, bien sûr, parce que le vlog ne sera pas mis à temps. Oh non, c'est pas possible, quoi. Deux en moins. J'invite qui, moi? À la dernière minute, comme ça. Va falloir que je sorte des cartons d'invitation que j'en imprime et que je donne ce soir aux parents. Parce que voilà, parce que j'ai plus de carton en laser game de toute façon. Ils en donnent 10. Jade en a voulu un pour voilà. Pour colorier, pour s'amuser pour ma chat. Et le deuxième de Rab est parti bah, pour un qui était invité à la base. Vu que voilà, Lia m'a donné les cartons quand il pleuvait et ça a coulé. Et voilà. Bref. Zen. C'est pas facile la vie de maman. Je sais pas qui c'est qui on va inviter. On est mardi. Et du coup, il y en a une qu'il va falloir que j'aille chercher, que j'emmène et que je ramène. Aussi. Ça va être un week-end très reposant. Waouh, je suis pompée up. Demain, normalement, il y a entraînement de foot. Demain matin. Mais je pense pas que je vais l'emmener. 10h30, midi et demi. Et il faut aller faire la photo à 16h. Voilà. Donc, pour la sieste, je sais pas trop comment je fais. Je sais pas. Je ne sais pas. La sieste, le repas, tout ça, tout ça. Parce que à midi et demi, ça fait longtemps qu'il a mangé, Liam. À 11h30, ils mangent à la maison, 11h30 à l'école, c'est pareil, ils finissent à 11h30, ils vont à la cantine directe. Donc oui, enfin bon, bref. Tout va bien, je vais bien. Après la suite, je sais plus. À chaque fois, j'oublie. C'est bizarre. Eh ben... Je vais faire du montage parce que bah, j'ai des vidéos à monter, voilà, tout simplement, pour que vous ayez un petit peu de contenu autre que des présentations et des replays. Ça serait bien que je travaille un petit peu, quand même. Donc voilà, je vais aller faire ça. Il faut que je trouve des solutions, du coup, pour ces invitations. Donc, je vous fais des bisous et je vous retrouve... Demain, je ne pense pas, car nous sommes mercredi. Et mercredi, je suis indisponible. Voilà, voilà. Mais jeudi et vendredi, je ne sais pas quand c'est, je vais aller faire les dernières courses pour l'anniversaire. Bah, je pense vendredi, en espérant qu'il y ait les gâteaux qu'il faut dans le magasin. Sinon, il va falloir que je fasse tous les magasins d'Amiens, ça va être génial. Mais que je trouve ces gâteaux. Mais là, j'en ai déjà un pour jeudi, du coup, dans le frigo, donc je peux pas en avoir plus. Puis mon frigo est bien blindé. Ça va être l'anarchie pour ce gâteau. Il va dormir dehors, le gâteau, je pense. Voilà. Allez, à toutes. Coucou.
C'est bon. Toujours cette fâcheuse manie de pas allumer mon micro. J'espère que vous m'entendez. Je me suis réveillée il y a pas longtemps. J'étais à la sieste avec Jeanne. On est mercredi. Il va être 15h. On a rendez-vous à 16h pour la photo de foot. J'ai pas allé à l'entraînement ce matin parce que bah ils tous. Donc ils tous comme un fumeur. Donc je l'ai pas mis à l'entraînement ce matin. Il ira peut-être samedi, je pense pas. Il a son anniversaire le matin. Après-midi, il va vouloir jouer avec tous les jeux qu'il a eu, les jouets, machin. Je sais même pas si entraînement. En fait. Vu qu'ils ont pas le droit de faire fou. D'accord. Bien. Je me mets bip. Hein. Ils ont pas le droit de jouer au foot sur les terrains naturels à cause des intempéries. Parce que il pleut très souvent. Donc ils s'entraînent sur le synthétique normalement. Mais pourquoi je me suis pris? Parce que hier soir, j'ai eu comme quoi j'avais un truc dans ma boîte aux lettres. Du coup, on va l'ouvrir ensemble. Et du coup, c'est sympa de mettre du scotch sur les ouvertures faciles. C'est sympa. C'est pas très logique. Je sais pas, tu peux pas le mettre un là. On s'en remet deux. Faire trop de bruit parce que la petite là, ça monte là. Ça va, hein, Bella. Je sais pas que vous allez l'entendre. Non, elles sont. Est-ce que je fais du bruit, je m'empêche de dormir. Voilà. Voilà, je suis un monstre. N'empêche que ce matin, il a joué avec Jade. Voilà. De fou. On a joué avec la canne à pêche. Comment je vais ouvrir ça? Je ne sais pas. Ça va être long. Je comprends pourquoi mettre des scotch en fait. Je sais pas quel abruti a créé des ouvertures faciles. Mais là, c'était vraiment un abruti. Mais vraiment. Ça marche quasiment jamais. C'est vrai. Que ce soit sur le jambon. Non, ça marche pas leur truc. Ouais. Oups, le café. Oups, 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 oups. Tout va bien, tout va bien. Va bien, tout va bien. Tout va bien, je vais bien. Je sais plus. C'est pas faute que Mélo me la compte souvent, mais. Oh, le petit coup dans le micro, vous avez kiffé? Ah oui, vous avez kiffé. Je vais vous remonter un peu. Yep là. Ah ben c'est ouvert, mais ça s'ouvre comme ça en fait. Ok. Du coup, je l'ai commandé sur eBay. Ça va être m'a dit, tiens, regarde, il y en a sur eBay. J'étais sur eBay parce que sinon ça coûte une blinde.
C'est combien il m'a coûté d'abord? En plus. Attendez, j'ai les deux. 24 livres sterling, donc 32. Voilà. Au total, avec les frais de livraison, sinon il était à 15. 15 livres 18. Voilà, 9,14 de. Attendez, je comprends pas. Ça vient des États-Unis. Si je vous dis dans le livre, non mais sérieux. Ça vient de Books, etc. En Angleterre. Mais c'est comme si ça me livrait pour pas que j'ai trop de. Ça fait comme un show. Un, comment ça s'appelle? Chipito? On dirait. Parce que ça livre à une adresse en Angleterre. Et ensuite, tu le reçois. Il te l'envoie à toi. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai commandé, je vous l'avais dit. Je le voulais tellement. Je l'avais précommandé sur Amazon le 3 juillet. Je m'en souviens. Et je ne l'ai jamais reçu. Voilà. Malgré les restocks, voilà. Ils préfèrent envoyer les bouquins qu'ils reçoivent à des nouveaux clients que d'envoyer aux personnes qui avaient passé commande, qui ont déjà payé. Et je suis deck parce que bah il me coûtait rien, parce que j'avais un chèque cadeau, je sais pas quoi. Donc il me coûtait rien. Donc c'était cool. Mais non, ça n'a pas marché. Je ne l'ai jamais reçu. Le serait non plus. Voilà. Ils nous ont annulé notre commande il y a quoi? Il y a 2 semaines? Une semaine? Quand même, hein, depuis le mois de juillet, quand même. J'avais essayé de les joindre et tout. Elle m'a dit, ouais, on va voir ce que je peux faire. Mais là, on n'en a plus du tout en stock. Ouais, mais vous en avez eu il y a 3 jours. Hein? Et tout est parti très vite. Mais enfin, il y a un moment, il faut quand même. Je sais pas, gérer vos stocks par rapport aux personnes qui ont déjà commandé la chose, en fait. Enfin bon, bref. Il est là, il est trop beau. Donc c'est l'édition Blue Angel. Il y avait encore 2 éditions disponibles, mais j'ai pas compris, j'ai jamais quelle est la différence. Moi j'ai un grand. Ah ouais, j'ai un grand radar. Il y a du livre, il est comme ça. Et le papier est un peu jaune. Je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Parce que voilà. C'est Christine Caron, Love You Forever. J'en ai certains déjà en PDF. Franchement. Enfin, PDF. Non. J'ai eu plusieurs bouquins papier Amazon. Je les ai en PDF. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai déjà fait. C'était en duo, si je me souviens bien, avec Ritsu. Ritsu Color. Je suis tellement contente de l'avoir. Bah là, j'ai un en cours que j'ai commencé hier en live. Quand j'ai presque fini de Capitaine Crochet, il ne me reste plus que voilà, son crochet et son plumeau. Là. Après, j'attaquerai le reste. Et Cassie a fait une roulette. Et du coup, je dois faire. Une double page Kirby. Donc après, j'attaquerai ce bouquin-là, c'est sûr. Voilà, je veux le commencer rapidement, celui-là.
J'aime trop, je suis trop contente. Je suis trop contente. Bah, je vous ferai le flip through bientôt. Mais je sais pas quand c'est pu le mettre en ligne, parce que là j'ai une collection à mettre avant. Mais je suis tellement, tellement contente. Ici. Il est trop beau. Donc ouais, à rajouter dans mes livres à entamer. D'ailleurs, il faudrait que je refilme une vidéo pour un peu l'update. Et dans celui-ci, je vais faire voilà, le T-Rex. Je lui avais proposé. Qu'est-ce que je lui avais proposé? Non, pas le loup. Le Kirin. Voilà. Je lui avais proposé le Kirin. Je lui avais proposé ses double pages méduses. Le renard. Voilà. Je lui avais proposé ces trois-là. Mais non. On les voit trop d'après. Donc voilà. Merci Cassie. Donc on va faire le T-Rex. Comme ça me permettra d'entamer celui-ci. Mon dernier Kirby entamé. Que j'ai galéré à avoir, hein. Je dis en passant. Celui-ci, je l'ai eu via Focus or Not. Focus. Voilà. Celui-ci, je l'ai eu via Paracutaine, parce que je ne l'ai pas reçu par Paracutaine. J'ai dû le retrouver sur Vinted, je pense. Et quand je l'ai vu, j'ai pris, même si c'était bah, c'était une Lemart et je voulais pas une Lemart, mais je ne voulais pas. Donc c'est le seul Lemart que j'ai. Tout le reste, c'est soit Marabout pour les plus récents, soit Polonais. Mon plume, je l'ai bazardé. Bref. Voilà. Ce que je suis en train de faire. Il faut pas que j'oublie, j'ai encore le Taz et ses mignons à faire. On est combien? Ouais, demain c'est l'anniversaire de Lia. J'ai le Taz et ses mignons à faire et le Pokéfil à faire aussi. Donc, il me reste que deux colos vraiment obligatoires. Hein. Donc non, ça devrait le faire parce que bon, là je pense que je vais finir lui aujourd'hui. Après, j'ai créé un autre personnage. J'espère que j'avancerai peut-être un peu plus vite quand même pour faire. Parce que lui, j'ai mis du temps quand même. Parce que ça m'a embêté. Sa tenue, on n'arrive pas à trouver d'image de ref. C'est chiant. C'est chiant. Parce qu'on voit toujours le veston fermé. Mais pas vraiment ouvert. Ou c'est jamais pareil. C'est, tu sais pas ce que c'est. Enfin, bref. Donc voilà. Pour ce petit rush d'aujourd'hui. Hein, pas je. Parce que sinon le vlog va être d'une longueur insoutenable. Intenable. Donc voilà, je vais vous laisser là. Il est quelle heure? Il faut que je prépare Liam pour sa photo. Il faut que je réveille Jade parce qu'elle va jamais pouvoir partir pour aller à la photo, je suis sûre. Ça va être une tanasse. Mais il faut qu'il mette sa tenue. Et qu'on se prépare pour aller à la photo. Allez, à toutes. Et re tout le monde. J'espère que vous allez bien toujours. On est donc le 17 novembre. Donc on est vendredi, dernier jour d'école. Demain, c'est le grand jour, l'anniversaire de Liam, au Laser Game. Bref, ce matin, je suis allée chercher les gâteaux. Il en restait qu'un, Marvel, et un Cars. Je voulais un Marvel. Mais enfin, va falloir que je. Là, j'ai tout laissé dans la voiture. Enfin, j'ai tout laissé. Non. J'ai laissé les boissons et le gâteau dans la voiture parce que de toute façon, il fait moche. Puis c'est pas un gâteau qui se met au frais. C'est pas dans les rayons frais. Il n'est pas au rayon frais. Donc là, je l'ai laissé dans la voiture. De toute façon, il fait frais dans la voiture. Parce qu'il fait un temps de merde. Voilà. J'ai laissé les boissons, comme ça sera frais pour demain matin. Mais le gâteau, enfin, on voit qu'il a subi le pauvre. Enfin, va falloir que je rattrape le sigle Marvel pour le remonter parce qu'il a un peu, s'est un peu enfoncé dans le gâteau. Bref, il va falloir que je fasse gaffe pour la semaine prochaine. Enfin, j'y aille en début de semaine ou je sais pas. Parce que là,
n'y avait plus rien, quoi. On arrive au week-end et ils n'ont pas de stock, ils n'ont rien. Donc, voilà. Je sais pas quand il va falloir que j'y aille pour être sûre d'avoir le gâteau pour l'école. Je sais déjà pas quand c'est que je lui fais faire à l'école. Donc, je vais y avec la maîtresse. Ça tombe peut-être le vendredi, mais que j'ai le gâteau dans le frigo, enfin dans le frigo ou à la maison avant. En espérant trouver un. Il veut un Xbox pour l'école. Ah, ils sont compliqués maintenant. Enfin, bref. Tout est quasiment prêt. Je suis retournée faire deux courses à Action ce matin. Est-ce que je vous montre ce que j'ai pris? Bien entendu que oui. Ah, voilà. C'était pas prévu, mais voilà. Le sac est derrière moi. Ah, j'ai pris ça aussi. En allant livrer un colis. J'ai trouvé le classeur. Deux pochettes, soit 16 cartes, plus deux cartes édition limitée. J'ai pas trop compris. Un classeur plus 18 cartes. Alors qu'il a déjà eu un sachet de cartes. Il a eu. Voilà, il y a pas là le sachet de cartes. Enfin, je lui ai déjà donné un sachet de cartes là, bah, hier. Pour son anniversaire. Parce que son anniversaire c'était hier. Donc je voulais quand même qu'il ait un petit truc à ouvrir, quoi. Et à Auchan, pas moyen de trouver bah, ça. Parce que je me doutais qu'il y avait un bouquin ou quelque chose quand même avec les panini, il y a toujours quelque chose. Et là, en livrant mon colis ben, au bureau de tabac, je l'ai vu, je fais ah bon ben, finalement je vais reprendre ça aussi. Trop contente. Parce que bah ouais, je savais pas trop où le trouver, quoi. Alors, à Action. Voilà. J'ai pris une petite tirelire. Voilà. Pour Jadou, parce que pour qu'elle mette ses petits sous, parce que elle aime bien jouer avec ses petits sous. Mais elle est chiante, elle les trimballe partout. Mais ça va pas être pratique pour l'ouvrir, si. Je suis en train de me dire. Ça va être un peu la merdasse pour l'ouvrir. Non? Ça va être sympathique à chaque fois qu'il va falloir l'ouvrir. Donc il va falloir l'ouvrir qu'une fois dans sa vie, je pense. Bon, il y avait d'autres licences. Hein. Il y avait Pas de patrouille. LOL. La Reine des Neiges. Et je sais plus. Mais bon, moi, je lui ai pris les princesses. Valeur sûre. Désolée, Bella, mais je vais. Voilà, je vais. Ça va atterrir vers toi. Je me suis pris une robe de Noël. Voilà. J'ai pris du 48-50. J'ai pas fait gaffe à la taille. Ça va être un petit peu grand. C'est pas grave. Du coup, pour les petits, j'en ai pris un chaque pour les petits. Ah ouais, on va être magnifique. Ouais. Donc, un 110, 116 pour Jadou, un 134, 140 pour Liam, en espérant que ça matche. Et puis pour Doudou, voilà. On va être magnifique. Voilà. Un pouce vert. Génial. Allez. Ensuite, j'ai trouvé ça qui traînait dans le rayon de Noël. J'aurais voulu le pack violet machin. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que celui-ci. C'était le dernier, je pense. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Voilà. Des washi. Washi. J'ai une collection de washi maintenant. Oui. J'ai repris des petites bibis pour la machine. Voilà. J'achète plus que ça et de l'adoucissant. La lessive, je la fais moi-même maintenant. Donc je fais pas mal d'économies pour ça. Parce que j'en ai marre de mettre plus de 10 balles pour la lessive alors qu'elle va encrasser ma machine. Elle est vachement épaisse, vachement. Non. Non. Donc je fais ma machine. Non, je fais pas ma machine. Je fais ma lessive. C'est pas pareil. Hop. Bella, tu touches à rien, merci. J'ai rien pour toi, Bella. Rien du tout. Ils font un calendrier de l'Avent pour chien, mais ils font pas pour chat. De toute façon, t'aimes rien. Alors... Là, je me suis repris les pinceaux à deux francs 6 sous, là. Voilà. Parce que bah ça dépanne quand même. Donc je me suis repris ça. J'ai enfin trouvé un set. Voilà, un vrai set qui ressemble à un set et pas un set qui ressemble à un animal mort. Voilà. Donc.
Ça va dans le sac qui va partir chez mamie ou pas? Je sais pas trop, va falloir que je retrie. J'ai pris des sacs pour les surprises d'invités parce que bah il faut que pour l'école la semaine prochaine avec des bonbons. Voilà, faudra que je mette des bonbons de. Enfin, que je donnerai. Je sais pas si je vais faire les. Ou je vais racheter des paquets de bonbons lundi, puis je donnerai des paquets, puis ils se débrouillent. Voilà, je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, bref. J'en ai pris 3 parce que c'est par 10. Et je crois qu'ils sont 20, 26, 24. Je sais plus trop combien ils sont dans la classe. Je sais plus trop dans la classe de Liam combien ils sont. D'ailleurs, en parlant de ça. Hier soir, Liam m'a dit, ah, on a le truc pour les photos. Ouais, j'ai été voir les photos de classe. C'est du foutage de gueule. Je mettrai pas 15 balles. Enfin, non, la photo de classe en elle-même, elle est à 7,50 €. Mais non, quoi. C'est juste, elle a photographié les enfants dans différentes poses et les a mis sur un fond Jeux Olympiques. Voilà. Elles sont dégueulasses. Elles sont vraiment moches. Il n'y a aucune. Enfin, t'as des enfants qui sont assis dans un coin, t'en as d'autres qui font style, ils se battent. La maîtresse style, elle envoie un ballon. Enfin, c'est. C'est quoi ça? C'est quoi? Enfin, je suis tellement désespérante. J'étais tellement contente qu'ils aient la photo avant la fin d'année. Mais là, les gens vont être dégoûtés pour offrir ça à papy mamie. Je veux dire, déjà la tronche des gosses sur les photos, tu les vois à peine. Et ah non, non. Je suis désespérante. Donc je pense que je vais juste prendre les photos individuelles et la photo de fratrie. Voilà, cette année, il n'y aura pas de calendrier, il n'y aura pas de marque-page, il n'y aura pas de. Oh, ma photo de classe est dégueulasse. Voilà. Je sais pas si je peux vous montrer vite fait la photo de fratrie, ça va. Voilà. Mais alors, les photos de classe. Je sais pas comment je vais vous montrer ça. Mais la photo de classe. Elle est pas classe, mais alors pas classe du tout. Ah, là. Voilà. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est une photo de classe pour vous? Les gosses sont dispatchés à droite à gauche. Ils les en mettent 3 sur un podium. Enfin bon. Je trouve ça dégueulasse. La photo de Jade, c'est pareil. Le maître, il regarde même pas et les gosses sont dispatchés. Il y en a un qui fait du surf sur le côté. On se demande ce qu'il fait là. Enfin bon bref, non mais non, non en fait. Bon vous avez vu le bled, hein. Je flouterai peut-être, mais de toute façon j'habite pas dans le bled où ils sont à l'école. Voilà, ça règle le problème. Mais non quoi. Je comprends pas le délire. Et en plus ils ont même pas participé du coup à cette. Ils ont pas participé à la photo de classe parce que bah, enfin si Jade oui, mais Liam non il était malade. La photo de classe le jour de la rentrée après les vacances et bilan bah, il était malade. Il devait donner ses cartons d'invitation ce jour-là aussi. Enfin, un jour en retard. Mais bon, je suis contente, on est complet, normalement. Si la petite Marie si la petite Marie vient bien, parce que j'ai pas eu de réponse de ses parents, je sais pas. Donc elle dit à mon fils qu'elle vient, donc j'espère qu'elle vient. Sinon, bah faudra que Doudou il aille jouer ou moi. J'ai repris des enveloppes bulles parce que voilà. Si un jour je remets des trucs en vente sur Vinted, si un jour j'ai la foi. Je me suis repris de l'encre. De l'encre. Papier. Je sais pas pourquoi je pense à l'encre. Aquarelle. Parce que la dernière fois j'en ai pris un, il y a un produit qui a coulé dessus. Du coup, il a fini un petit peu rosé. Donc là, j'en voulais un bien blanc parce que bah, pour continuer mes nuanciers, ça pourrait être bien. Hop, d'ailleurs, je vais. Je vais plus montrer. Attention de là. Attention de là. Ça, c'est celui que je l'avais acheté la dernière fois. Il est rosé. Je sais pas si vous allez voir. J'ai un produit d'entretien qui a. Voilà. Et ouais, ça a bu. Et bilan, ben, mon papier est rose. Voilà. Ensuite. J'ai repris des assiettes parce que dans le lot que je. C'est que des lots par 8 en fait. Et si jamais il y en a un, enfin il y a un accident, il y en a une qui tombe par terre ou quoi, ou ci ou ça. Voilà.
Je préfère en avoir un peu de râpe quand même. Donc ça, maintenant. J'ai repris des gummies. Mini pour Jadou parce qu'elle a bientôt, bientôt fini les siennes. Quoique, il y a encore un peu de marge, mais voilà. Je préfère hein, prévenir que. Hein? C'est bien, il faudrait que je l'en suis. Il préfère celles qui sont en pharmacie. Il faut que j'aille en chercher. Ensuite. Terrebaus. Là, j'ai repris un Lénore. Voilà. Il n'y avait pas. Il n'y avait que celui-là ou le bleu, je crois. Donc j'ai pris celui-là. Mais oui. Quand j'en prends, j'en prends. Quand c'est en promo ou à action. Je me suis pris des petits pecan nuts mix. Pour moi grignoter voilà, le soir. Voilà. Donc, je me suis aussi pris des sésames et des peanuts. Hein? Voilà, parce que j'aime bien. Est-ce que je vais avoir de la place d'écran? Hop. Ni vu ni connu, je t'embrouille. J'ai pris un petit bonnet de Noël pour Jadou. Il n'y avait que pas de patrouille ou LOL ou princesse. Donc voilà, Liam, il est un peu grand pour pas de patrouille, donc je ne l'ai pas pris. Mais bon. Voilà, elle aura son petit bonnet de Noël. Et sinon, j'y allais parce qu'il me fallait un comme ça. Parce que j'en avais acheté, mais j'en avais un qui fuyait. Du coup, j'ai galéré pour les trouver en plus. Donc, j'en ai pris un. Hein, faut que je mette dans le sachet. Et j'en ai pris un autre pour Jadou. Voilà. Parce que Jadou, elle va être. Entre guillemets, enfin punie, mais bon, elle serait fait petit mamie parce que si on l'emmène, ça va être. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc, ouais, ça. Pour rajouter dans les paquets surprises des petits enfants. Voilà, ça c'est pour Jadou. J'ai le ticket de caisse, mais est-ce que je vais vous mettre les prix? Je ne sais pas. Voilà, je vous ai pas mis les prix la dernière fois parce que j'avais pas le ticket de caisse. Parce que maintenant, un coup il le donne, un coup il le donne pas. Un coup il vous demande si vous le voulez, un coup il vous le demande pas. Donc voilà, là j'ai eu le ticket. J'en ai eu pour 70,26 €. Cette fois-ci, c'est papa qui a payé. Ouais. La dernière fois, moi, je m'en suis payé. J'en avais pour plus de 100 €. Alors, voilà quoi. Chacun son tour. Pas de jaloux. Sinon, hier, j'ai continué ce colo donc, dans le grand classique. En live, on a fait donc Peter Pan et j'avais entamé le petit là, Michel. Voilà. J'ai fait lui hier soir. Comment il s'appelle? Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, bon, j'ai fait lui, puis j'ai commencé un petit peu le chèque. Donc voilà, il ne me reste plus que Wendy à faire, le fond, la Loon. Mais je sais pas trop comment je vais faire parce que bah, je sais que le papier n'aime pas trop l'aquarelle. Donc, Mais sinon, j'aime bien ce que ça rend. J'ai pas allumé la lumière, bien entendu. Bah non. Non. J'ai pas encore allumé. Hop. Voilà. Voilà pour ce colo. J'espère que je vais bien, bien continuer d'avancer. Je suis tentée de finir Clochette avant de lancer le live. Et le fond, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Ça, c'est Aoi et Latika. Je sais pas si je fais un mélange d'aquarelle ou si je fais un mélange de néocolore. Je sais pas. J'hésite. Je sais pas. Parce que sinon il y a Camille et Sacha, ça peut être pas trop mal non plus comme fond. Faut que j'aille voir un peu des images du film, voir un petit peu l'ambiance, m'inspirer un peu de teinte. Je ne sais pas du tout. Ouais, je pense que je vais finir Clochette.
Non, c'est le live plus tôt, mais bon, je me dis, j'étais aux gens à 14h, je vais pas abuser et puis me pointer avant, quoi. Ah, voilà. Donc voilà pour cette semaine. Ce weekly vlog, je vais l'arrêter là, je pense. Je pense que j'ai suffisamment de rush. Voilà. Bon, ça va être long. J'espère que ça ne sera pas trop chiant. Je sais pas si je refilmerai la semaine prochaine. Je suis en train de penser, on m'a rien dit ce matin pour le cinéma de cet après-midi. Donc, voilà. Je suis tranquille. C'est vrai que j'y pense seulement maintenant, moi. C'est un peu tard, ils partent à 2h. Hein. Bref. Je pense vraiment plus à grand-chose. J'espère ouais, que je vais réussir à finir celui-ci pour ce week-end, que je puisse entamer mon Kirby. Mais je pense en alternance avec le Wildflower Folk, je pense. Et après, ouais, il faut que je me décide pour un colo en duo. Non, celui-ci, pardon. Non, c'est pas la caméra que j'ai bougé, c'est bon. Vous voyez pas grand-chose, je suis dans la lumière en fait. Dans celui-ci, avec Hello Colo, on va essayer de se faire un duo. Donc je vais sélectionner. Je vais essayer de sélectionner les colos, on verra bien. Il y en a qui 8 ans 3, je vais celui-là. On va voir. C'est celui qui est en train de se démonter, celui-là, non? Donc, ouais, j'en ai déjà fait. N'hésitez pas à les prendre chez Leclerc, 9,46 au lieu de 9,95. À chaque fois que j'en parle, je le lis parce que. Voilà. J'aime bien celui-là aussi. Je vais voir, de toute façon, j'ai le temps. Tant que j'ai pas. J'ai le temps là. Celui-là avec les nuages, on peut s'amuser. Hein. Non, franchement, il était beaucoup loin. Celui-là aussi, j'aime bien. Celui-là, Nat l'a fait, mais je pense pas que ce soit dans ce livre-là, par contre. Non, c'est dans le Love Story, le vieux, avec tous les amas de. Voilà. De papier peint, de trucs, machin. Et elle a complètement raté ses yeux. Elle m'a fait trop rire. Je sais pas si je continuerai pas les briques. Non. Non, la flemme. Mais. Non, j'aime bien, il y a des colos sympas. Ah, puis c'est celui où j'ai des défauts, je crois, en plus. Faudrait que je fasse gaffe. Ah oui, c'est celui où j'ai des défauts. Faudrait que je fasse gaffe quand je vais colo. Mais bon, tant pis. Hein. Je suis pas. Hein. Mais celui-là aussi, j'aime bien. Mes œuvres d'art ne se vendent pas par milliers, voilà quoi, donc c'est pas grave. En soi, c'est un petit défaut sur papier, quoi, j'ai envie de dire. Mais faites attention, ouais, si vous les achetez en physique. Tripotez-les, vos bouquins. Vérifiez les pages. Parce que c'est pas toutes, mais j'en ai certaines qui ont des rivières. Là, il y a une rivière. Là, j'ai une rivière là. Surtout d'avant, là, j'en ai pas. Là, j'en ai une là. Donc, ouais. Faites gaffe. Tripotez vos livres. Allez-y. N'hésitez pas. Voilà. Sniffez-les. Ça fait du bien. Sur ce, je vais clôturer ici. Je vais essayer de terminer ma petite clochette. Et voilà. Je vous souhaite. Bah, je sais pas trop quoi. Parce que quand est-ce que vous allez avoir ce vlog? Est-ce que je le monte aujourd'hui et vous l'avez dimanche? Sachant qu'il y a déjà une vidéo de prévue pour dimanche. Je vous mets celle-ci mercredi. Je ne sais pas. Ou je vous mets celle-ci dimanche et je vous mets l'autre. Non. Non. Bref, vous verrez comment c'est tout. C'est moi qui décide. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.
Et voilà, merci pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà. Et cœur sur vous, hein. Vous êtes des vrais, hein. Cœur sur vous. Hein. Bisous, bisous. Hein. Mettez un petit emot de cœur, tiens, dans les commentaires. Je vous embrasse fort. Prenez vraiment soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et sinon, bah, on se retrouve en live, voilà, 3 fois par semaine sur Twitch, le mardi, le jeudi et le vendredi de 14 à 16h. Voilà. Je vous fais des gros, 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 gros bisous encore une fois. Et à très vite. Mon colo. Ciao.